Oula! Là, c'est une fatigue. C'est vrai que moi, à la fin, un kilo et quelques au bout de deux heures, j'ai mal dans le bras. Allez, ça chauffe. Vous mettez en chauffe. C'est marqué plein d'eau. Non, bah non, c'est pas marqué. Non, c'est l'assemblée. On est dans les tirs de poire, c'est ça? Ben, je vous dis, on est dessous, c'est pour ça. C'est une affiche active. C'est bon, tu peux y aller. Excellent. Nickel. Voilà, c'est ça, on va aller chercher des énergies. Bonjour à tous, merci d'être venus nous rejoindre pour cette marche unitaire des colères, manifestation de convergence pour les 3 ans de mobilisation du mouvement des Gilets jaunes. Alors nous, c'est l'Assemblée populaire d'Auxerre. Notre Assemblée siège tous les mercredis soirs à partir de 18h depuis mars 2019. Et nous sommes ouverts à tous pour débattre et porter nos revendications par différentes formes d'action politique ou directe. Nous allons en profiter de cette manifestation pour nous montrer à différents lieux dans Auxerre. On va frôler le centre-ville au maximum que ça nous a été possible. On aura différentes prises de parole qui permettront d'incarner différentes colères qui nous groupent sûrement tous ici et qui de toute façon ont parcouru l'histoire du mouvement des Gilets jaunes pendant ces 3 ans et avec lesquels on a convergé. Pour cet appel à convergence, plusieurs collectifs nous ont rejoints et prendront la parole dans le cortège. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est le collectif Antipass 89 qui nous accompagnera pendant toute la marche et dont l'antenne action, Christian va vous faire un petit signe, organise une collecte de masques usagés pour faire différentes actions. Ce sera valable pour toutes les autres manifestations. Et je vais laisser la parole à Pauline. Bah, tu voulais dire un petit mot ? Ah oui. Et je vais laisser la parole à Pauline qui voulait dire un petit mot à propos du collectif justement. Bonjour à tous. Bonjour. Je remercie beaucoup d'être venus aujourd'hui. Donc, vous nous connaissez, on est le groupe Antipass, on est devenu l'association Union des collectifs du 89 pour la liberté. Pendant le cortège, j'aurai les tracts
avec les informations sur l'association et toutes les adresses mail pour rejoindre les différentes antennes, les différents pôles d'action. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Je voulais rappeler que c'est super important, comme aujourd'hui, de faire converger en fait les différents mouvements pour qu'on s'unisse, qu'on rassemble nos forces. Et je suis super contente qu'on puisse faire ça aujourd'hui ici à Auxerre. Merci beaucoup. Alors vous allez voir, on va prendre la parole régulièrement, mais on n'est pas des grands causeurs. On a eu du mal à trouver des volontaires parmi nous. C'est souvent moi qui vais m'y coller, mais je parle au nom d'un collectif. Et la première prise de parole, ça vous donnera une première idée. Ça va être notre plus longue prise de parole. Avant de partir, on avait envie d'évoquer avec vous une première colère. Une colère qui nous unit sûrement tous ici, là, maintenant, sinon on ne serait pas venus. C'est le mépris. Nous, les Gilets jaunes, quand nous sommes sortis dans la rue et sur nos ronds-points, ce qui nous mettait en colère, c'était le mépris des gouvernants. Et je pense que ce mépris des gouvernants, c'est quelque chose maintenant que nos camarades d'Antipas expérimentent aussi. On a aussi subi le mépris des médias. Les médias officiels qui nous ont qualifiés tour à tour de factieux ou de cassos. Mépris que nos camarades d'Antipas expérimentent aussi en étant qualifiés d'antivax et de conspi. Du coup, je pense qu'ils comprennent qu'on n'est pas forcément obligé de croire ce que disent les médias sur un mouvement ou sur un autre d'ailleurs. Il y a aussi le mépris souvent dans nos familles ou dans nos vies quotidiennes quand on dit qu'on est gilet jaune ou quand on dit qu'on est antipas. Et que ce sont toutes ces formes de mépris, ces petites injustices quotidiennes qui nous amènent dans la rue finalement là aujourd'hui, histoire de manifester nos colères tous ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on soit tous bienveillants, les uns envers les autres, qu'on accepte nos différentes formes d'expression. Il y en a qui vont avoir envie de crier, de faire du bruit. Il y en a qui auront peut-être envie de quelque chose de plus silencieux. Et il va falloir être un petit peu ouverts les uns aux autres pour réussir à converger. Parce que s'il y a une chose qu'on a appris en 3 ans de mobilisation, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Et donc il faut qu'on converge, qu'il faut qu'on trouve un moyen de relier toutes nos colères qui n'ont finalement qu'un seul ennemi et qu'une seule cause, qui est bien incarnée par Macron. Donc soyons le peuple uni en résistance, marchons d'un pas déterminé, respectons nos différentes formes de lutte, apprenons à les faire converger. Et merci à chacun ici d'être bienveillants les uns envers les autres, et montrons-leur que la convergence est possible, parce que nous sommes noirs avec le bloc, nous sommes blancs avec Antipas, et nous sommes jaunes avec nos gilets, et qu'ensemble nous sommes de la dynamite. Ouais 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 ouais. On va commencer, on va s'avancer vers le passage Choufleau, qui est la première maison du peuple d'Auxerre. Ce sera l'occasion de parler de notre colère contre la démocratie qui n'existe plus. Nous invitons les personnes à mobilité réduite à se placer derrière la banderole de tête sur laquelle il y a marqué 89 gilets jaunes de Lyon, un peuple debout ou de rond-point. Et on marchera à votre rythme pour que vous puissiez participer à la marche dans des conditions décentes. Voilà, on y va. Merci à tous. Merci. C'est dans la rue que ça se passe.
Le strict minimum. D'un système de gouvernement que Macron a poussé à son extrême grâce à l'état d'urgence sanitaire qu'on entend encore nous faire subir jusqu'en juillet 2022. Encore 35 samedis, haut les cœurs! Macron, le monarque qui règne sans partage, le tyran qui n'assume aucune de ses erreurs, le banquier qui nous fait les poches, Macron qui aura su faire l'unanimité contre lui, qui se repaît d'une légitimité d'élu du peuple quand un quart de la population a voté pour lui, Macron qui n'a fait qu'exploiter. Pardon. Macron qui n'a fait qu'exploiter et pousser à son paroxysme un système usé, éculé, qui ne dépouille toujours plus de notre légitimité en tant que peuple. Et si nous sommes dans la rue ici et maintenant, c'est justement pour démontrer que nous sommes légitimes, que nos voix unies convergent pour réclamer ce monde d'après que l'on nous a promis, que nous désirons plus juste et plus respectueux, parce que nous sommes le peuple dans sa diversité, mais aussi dans son unité. Nous réclamons le retour du pouvoir dans les mains du peuple pour une véritable démocratie directe où le pouvoir serait exercé par et pour le peuple. Qu'est-ce le milliardaire pour que ma liberté devienne. Macron, on passe, on n'en veut pas.
Cet arrêt est un moment d'hommage aux victimes de notre mouvement et nous demandons à chacun de rester digne et respectueux. Parce que le mouvement des Gilets jaunes assume son caractère révolutionnaire, parce que bien que non violent, notre détermination a été brisée par une violence d'État qui s'est exprimée sur le terrain et dans les tribunaux.
Nous souhaitons prendre ce temps d'arrêt pour vous dresser les derniers bilans chiffrés de notre mouvement. Sans stigmatiser les forces de l'ordre, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous parlons de manifestants comme vous et nous. Nous parlons de vies brisées pour avoir manifesté. Les Nations Unies, le Défenseur des droits, le Conseil de l'Europe se sont tous inquiétés de l'usage excessif de la force en France au plus fort de la mobilisation des Gilets jaunes. Cet usage excessif de la force s'illustre par 992 signalements IGPN, 1428 lancés recensés de grenades lacrymogènes Gli F4, 13460 tirs de LBD recensés. Cet usage excessif de la force a entraîné 4 décès, dont 1500 blessés, dont 353 blessures à la tête, 30 éborgnés, 6 mains arrachées. Cet usage excessif de la force est doublé d'une répression judiciaire inédite. 10 852 personnes en garde à vue, dont plus de la moitié libérées sans poursuite. 3163 manifestants condamnés, le plus souvent en comparution immédiate, dont 400 avec des peines de prison ferme et incarcération immédiate. Ces chiffres sont issus du travail d'investigation du journaliste Devdeuf, d'Amnesty International et du journal Le Monde. Nous avons tous au moins un ou une amie qui a été blessée ou condamnée. Nous pensons à eux. Ni oubli, ni pardon. Bonjour à tous, je vais vous parler du pouvoir d'achat. Je suis Steph, je suis gilet jaune du 17 et activiste de l'Assemblée populaire d'Auxerre. Je ne suis pas très à l'aise pour vous parler, mais je viens d'être solidaire de sang en tant que co-organisateur de cette manifestation. Alors, je prends le micro pour faire une prise de parole symbolique devant les représentants de l'État en local qui viennent de nous filer la pièce avec 100 balles et même pas un mars. Et encore sur une lune. Comme si la colère populaire s'achetait, comme si l'argent s'achetait tout. Mais d'abord, tout ne s'achète pas. Et surtout, la colère populaire vaut plus que 100 balles. Alors que l'économie s'enflamme dans une reprise dont nous sommes les premières victimes à coup de pénurie, c'est le coût de nos vies qui brûle les billets et pas ceux de 100 balles dans nos poches. Les plus fragiles d'entre nous, nos handicapés, nos anciens, ne s'en sortent plus. Les confinements et la lutte nous ont rendu la solidarité. Nous refusons l'idée d'abandonner les plus précaires d'entre nous. Nous réclamons les moyens de vivre dignement pour chacun. L'argent, il y en a en milliers de milliards dans l'évasion fiscale. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Daniel. Des colères. Partout en France, nous sommes une majorité à vouloir le changement, une majorité à vouloir combattre le néolibéralisme qui nous mine et détruit nos vies de labeur. Oui, nous condamnons cette Union européenne antisociale, anti-économique et antidémocratique, responsable de tous nos maux, baisse du coût du travail,
délocalisation des entreprises, chômage massif, perte de nos acquis sociaux et maintenant de nos libertés. Le plan de relance de 560 milliards d'euros accordé aux banques et aux grands groupes sans aucune contrepartie n'ont servi qu'à licencier les travailleurs. C'est une course effrénée à la productivité pour enrichir toujours plus les capitalistes au détriment de notre santé, stress, mal-être au travail, dépression. On supprime des postes d'un côté, on augmente la charge de travail de l'autre, pour en définitive fermer des unités de production au motif de compétitivité insuffisante. Les services publics, les organismes sociaux ne sont pas épargnés. Depuis 30 ans, on assiste à une dégradation, tant en ville qu'en ruralité, à des fermetures de sites et une privatisation rampante, comme à la Poste, la SNCF, EDF, Gaz de France, Aéroports de Paris, les finances publiques, la sécurité sociale, Pôle emploi. On assiste aussi à une déliquescence de l'école publique. À l'hôpital, pas moins de 100 000 lits ont été fermés depuis 10 ans. Sur notre département, seuls Sens et Auxerre pratiquent les interventions chirurgicales et possèdent une maternité. Les autres sites de Joigny, Avallon et Tonnerre sont relégués en hôpital de seconde zone où sont pratiquées la rééducation cardiaque et la gériatrie. Les grands hôpitaux parisiens sont touchés aussi avec des fermetures et des mutualisations comme à Bichat, Beaujon, Garches, l'Hôtel Dieu. Les urgences pour certains sont fermées la nuit. Les patients sont transférés à 200 km. Des reports d'intervention chirurgicale sont monnaie courante et pourtant lourds de conséquences. En 2020, la Ligue contre le cancer annonçait 93 000 patients en report de soins. Nous refusons cette austérité qui conduit les plus fragiles à une paupérisation galopante, pardon, faute de travail et de revenus décents. Selon la Fondation Abbé Pierre, 6 600 ménages ont été expulsés de leur logement cette année. Nous dénonçons les réformes en tout genre, de l'APL, l'assurance chômage, les retraites, au nom de cette maudite dette publique qui affaiblit le peuple et l'économie, alors que les grandes entreprises enregistrent toujours plus de bénéfices. La pandémie du Covid est devenu l'alibi idéal pour le gouvernement, pour nous confiner, contenir les mouvements sociaux en promulguant la loi de sécurité globale, gouvernée par la peur. Le pass sanitaire est un pass sécuritaire, il n'a rien de sanitaire. C'est la première étape de contrôle de la population, ne l'oublions pas. L'obligation vaccinale dans les entreprises n'est autre qu'un permis de licencier les salariés selon le bon vouloir du patron. L'Autriche, aujourd'hui, confine les non-vaccinés. C'est une atteinte grave à la liberté des individus. Soyons conscients de ce qui se passe sous nos yeux. Il n'y aura pas de retour en arrière sans un combat affirmé et soutenu. Nous devons mettre à bas cette oligarchie. Arrêtons de nous poser des questions. Quel que soit le candidat à la présidentielle, à quelque exception près, ils continueront cette même folie. C'est maintenant ou jamais. Ouais ouais. Oh!
C'est pas compliqué. Pour informer surtout le trafic des enfants, les injections dangereuses pour les enfants. Il est temps de leur dire ce qui ne va pas dans les injections. Donc nous diffusons des plans. Malgré sans doute quelques frictions pendant la manifestation avec les uns et les autres. Merci à tous d'avoir rendu cela possible. Et nous vous appelons à continuer à faire vivre cet esprit de convergence lors de la prochaine manifestation anti-pass sur Auxerre, samedi prochain, 14h, place de l'Arc aux Buses.